On y est les gars. Salut. Nouvelle vidéo sur Dokkan Battle les amis, aujourd'hui nous sommes le 18 mars et le 18 mars c'est la célébration du Saiyan Day, donc déjà avant toute chose, Happy Saiyan Day à tous les gars, j'espère que vous aurez de la luck si vous invoquez sur le portail dont nous allons parler aujourd'hui puisqu'il s'agit du portail de Majin Vegeta Intelligence. Et Majin Vegeta Intelligence, et bien c'est la hype, hein, c'est la hype parce que Vegeta c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball Z, donc bien je me suis dit que j'allais lâcher quelques multi, puis de toute façon manifestement à première vue avant l'anniversaire il n'y a pas grand chose qui m'intéresse sur l'aglo, donc je me suis dit autant lâcher quelques multi puis se faire plaisir. J'ai donc enregistré quelques multi invocations du coup bah sur Twitch, hein, ça fait deux fois enregistré je crois, oui mais on s'en fout. Et donc je vais les diffuser tout de suite maintenant, pas de spoil. Simplement les amis, il y a un personnage sur ce portail qui me fait extrêmement peur. C'est le seul que j'ai à 100%, il me fait extrêmement peur. Hein, là par contre la répétition elle évolue. Je vais bien évidemment parler de Vegeta Evolution. Je vais pas faire ma dissertation sur lui, c'est pas le sujet, c'est pas le moment. Mais vraiment, je le fuis comme la peste, j'en peux plus. Ce sera bientôt mon troisième exemplaire à 100% si je le drop. Et je suis pas loin d'aller me jeter par la fenêtre. Bon, je suis au rez-de-chaussée, voilà. Mais je suis pas loin d'aller me jeter quand même par la fenêtre. Donc voilà, j'espère juste que je ne le dropperai pas. No spoil, bien évidemment. Et je vous diffuse tout de suite les invocations. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, puisque je vous rappelle que tous les midis nous sommes en live sur Twitch et que nous avons enregistré ces invocations comme nous le faisons tous les midis à chaque fois sur Twitch. Voilà, donc le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse avec cette séance d'invocation absolument incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez droppé vous dans les commentaires. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan. Salut! On va donc invoquer sur le portail de Majin Vegeta. Majin Vegeta Intelligence. Alors, je suis en live sur Twitch, hein, bien évidemment. Il y a beaucoup de gens, hein, ça fait extrêmement plaisir. Hein. Je rappelle qu'on est en live tous les midis sur Twitch. Hein, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Tous les midis de la semaine, c'est la fête, c'est la foire, c'est tout ce que tu veux. Donc du coup, on va invoquer. En fait, les gens rigolent parce que je leur ai dit, j'ai fait une prédiction que si je dropais Vegeta Evolution sur la first multi, je paierais un sub sur Twitch. Parce que ce serait, eh bien, mon dernier exemplaire pour avoir 3 Vegeta Evolution à 100%. Et c'est un vrai troll, en fait. Donc du coup, on veut Majin Vegeta, il est beau, mais je le préfère comme ça en vrai, hein, c'est un détail. Sincèrement, je le préfère comme ça dans cet artwork-là, je le trouve plus joli. Bon, enfin bon, bref, après, ça c'est... Il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette pose est très suggestive, mais enfin moi, c'est... moi je vois juste un enfant qui fait un câlin à son père. Bref. Ensuite, très très bon sidekick, ça m'intéresse, quand bien même il porte le même nom que le Dokkan Fest, c'est un petit peu dérangeant, mais enfin... Ça va, ça le fait quand même, il est très très fort, donc voilà, je prends... Je n'ai pas de doublon sur Gogeta, ça a été extrêmement douloureux les invocations, donc ça m'intéresse également de dropper un petit doublon sur ce BG ultime de la mort. J'ai un doublon sur Broly, je prends un deuxième doublon parce que c'est la passion, c'est un personnage que j'avais pris avec les pièces et que j'avais redroppé je sais plus quand, donc voilà, ça fait plaisir. J'en veux pas, j'en veux pas, et bien évidemment voilà, bref, donc Vegeta Evolution, le Vietnam, les bombardements, les hélicoptères, qui démarre, tu vois, tout ça, j'en veux pas, bien évidemment, mais si je le drop, ce sera le troisième 100%, ce sera incroyable. Et alors, lui me manque un doublon pour l'avoir 100%, il est extrêmement fort en ZTUR, je précise, et bien évidemment... Vous vous souvenez du portail que j'avais posté sur Twitter? Eh bien, c'est quasiment un copier-coller. FroggyLeaks Inside, FroggyLeaks devine les portails. À ce qu'il j'avais pas l'information. Donc voilà, on va donc invoquer, je compte mettre 200 DS, on a 950 DS tout pile, on va finir l'histoire sans fin, c'est parti, on veut de la luck, on veut des pouces bleus, des abonnements à la chaîne YouTube, tout ça, toi-même, tu sais. Let's go, la première multi-invocation sur ce portail. Alors, on n'a pas de faille. Et on n'a pas d'animation. Ça part bien. Zeno n'est pas là. Zeno a pris sa retraite après le portail de Trunks. Je vous rappelle que j'ai fait très peu d'invocations. J'ai fait que le 6 soldé sur le portail de Trunks. Et j'ai droppé eh bien, deux fois Trunks avec deux Zeno d'affilée. Donc je pense que Zeno va pas revenir avant le 14e anniversaire. Et effectivement... Effectivement... Gardez vos Taopai Pai pour monter l'aspect du LR du TB, hein, si jamais vous farmez le Tenkashi Budokai, je vous le dis juste comme ça. Toujours pas de SSR ici. Toujours pas de SSR ici. Ah, pour l'instant, ça sent pas le Vegeta Evolution à la première multi. Hein. Je sens que là, les viewers vont s'asseoir sur un sub sur Twitch. Hein. Toujours pas. Je rappelle qu'on peut tropper des trucs de ouf sur des animations éclatées.
Bah ouais, c'est un truc de ouf, hein. C'est le champagne, il est éclaté au sol. C'est ce que je disais, animation éclatée. Bon, là, on a droppé un truc éclaté. La première multi, franchement, c'est pas bon. C'est pas bon, et en plus, tu vois, 100%, ça fera des pièces, c'est toujours ça de prix. Quel dommage, exactement. Donc, la prédiction, eh bien, c'est non. Nous n'avons pas droppé Vegeta Evolution à la première multi, je suis désolé, les amis. Donc, on va continuer. Et il reste donc 3 multis. On espère dropper quelque chose ici, les amis, on veut de la luck. N'hésitez pas à dire vous ce que vous avez droppé dans les commentaires. À me dire que vous avez droppé First Multi, Faille de Zeno, Whis sur Beerus. Là, on a vraiment rien du tout comme animation, c'est assez compliqué, là. Allez, un double craquage garanti un Dokkan Fest. Peut-être même un LR, Gogeta. Un double craquage, ce serait cool, là. Let's go. Allez, c'est parti. Double craquage. Non. Aïe, 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 aïe. Ah bah ça, je vous l'ai dit, je paye la luck sur le portail de Trunks, les gars. Je paye la luck sur le portail de Trunks. Alors, attention. Oui, il y a ma fille qui s'incruste sur la VOD. C'est la guerre. C'est la guerre, les gars. C'est la guerre à la maison. C'est la guerre. Eh, c'est ça d'être papa, hein. Ah, c'est bon. Laissez-moi faire un multi éclaté. C'est ça d'être papa. Oh, la pauvre, elle va être triste. Elle veut que je drop. Voilà, vous l'entendez là? Elle veut que je drop. Et ça, c'est en direct, hein, les mecs. Hein. Ça, c'est pas la VOD aseptisée, machin, y'a personne à la maison. Moi, y'a du monde à la maison cette semaine, y'a du monde. Tous les papas comprendront, tous les parents comprendront. Bon, par contre, ce serait bien que tu fasses tomber des trucs là, le jeu, parce que combien même. Oh non, moustache 974 que j'ai à 3000%, putain, eh non, dégage. C'est pourri ça. C'est pourri. Ah, ma fille m'a pas porté la luck, malheureusement. Bah, moustache qui va partir à la poubelle. Hein. Je suis désolé, j'aime beaucoup Steph, mais là, pour le coup, c'est poubelle. Hein. C'est ploubelle, pardon. C'est ploubelle la vie. Ah non, mon dieu, c'est pourri ça. Bon, troisième multi, je me calme. Allez, donne-moi la faille de Whis. Bon, pas de faille de Whis. Et toujours pas d'animation. Bon, bah là, je pense que c'est cuit sur ce portail, les amis. À mon avis, la vidéo va pas me faire sortir beaucoup de belles choses à vous montrer. Je suis vraiment navré. Parce que là, c'est éclaté au sol, mais vraiment du début à la fin. On a même pas, même en parlant des hors détecteurs, on n'a même pas un SSR de qualité. Ça devient très très compliqué. Ça devient très compliqué. Et j'ai vu beaucoup de gens n'en a rien droppé sur Twitter. Je me suis dit, ça sent mauvais. Et là, pour l'instant, effectivement, ça sent très mauvais. Là, pour l'instant, ça fait 150 deaths foutus à la poubelle, donc... C'est pas facile. C'est pas facile. Aïe, 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 aïe. Ah non, c'est compliqué. Et toujours Piccolo en animation. Ah non, c'est de la merde. Voilà, c'est vraiment de la merde. Là, les 3 SSR, les 3 multi, là, c'est 150 deaths que tu fous à la poubelle, littéralement. On va pas tarder, on va pas traîner. On va faire la dernière multi-invocation. On espère dropper au moins quelque chose. Un jour, je sais pas si le jeu se débloque, peut-être. Il y a Vegeta, ok, très bien. Ah, la fufu. Bon, heureusement, on a au moins un Dokkan Fest en 200 DS, les gars. Ouh, on s'accroche. Est-ce que c'est le bleu? Si c'est le bleu, c'est que c'est Gogeta, je prends. Si c'est pas le bleu, bah, c'est que c'est un Dokkan Fest, hein, voilà. Donc Dokkan Fest garanti ici. Et si c'est Vegeta Evolution. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je deviens ouf, putain. Ah, pitié, sauvez-moi, quoi. Alors. Putain, c'est pas possible. Oh bordel, le désespoir d'un homme, putain, mais le désespoir d'un homme, mais le désespoir d'un homme, mais... Va voir ailleurs si j'y suis. Mais j'en peux plus de cette carte de merde. Ah, j'en peux plus. Je me drop une putain d'animation en 200 DS pour dropper ce chien de la casse. Mais... Peggy 18. Nick Taras. Oups. C'est pas vrai. Aïe, 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 j'ai envie de chialer, putain. Ah, je pleure, les amis, je pleure. C'est le seul que je voulais pas sur tout ce putain de portail. C'est le seul. Ça n'a aucun putain de sens, quoi. Ah non, j'en peux plus, sérieux. Donne-moi un autre Dokkan, fais-moi une multi-Twitter. Allez, fais-moi une multi-Twitter. Allez, fais-moi une multi-Twitter. Vivement le ZLR.
Aïe aïe aïe. Fais-moi une multi-Twitter. Allez. Mais non, on s'en fout de ça. Un deuxième végétal, arrête, putain, arrête. Ah non. C'est pas possible. 200 DS pour le seul que j'ai à 4000%. Eh, le scanboxing d'Okan Battle, attention. Hein. Le scanboxing, hein. Attention. Ah, c'est pas vrai, quoi. Ah, mais non, mais on s'en balèque de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Ah, c'est improbable, sérieux. C'est improbable. C'est improbable. C'est improbable, sérieux. C'est incroyable. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon allez, on va arrondir à 700. Franchement, au point où on en est, et puis on s'arrêtera là. Parce que là, franchement, honnêtement, j'ai plus envie de... Là, j'ai plus envie, là, c'est pas possible. Tu me dois... Ah non, putain. Mon jeu est cassé, les gars. Mon jeu est cassé. Mon jeu est cassé. Ouais. C'est... Du coup, j'ai Vegeta Evolution 300% officiellement aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc voilà, voilà. Ça c'est fait. Et dédicace à ceux qui l'ont jamais droppé, exactement, exactement. Bon, bah on va enchaîner, hein. De toute façon là il n'y aura rien aussi. Bon bah les gars, 250 DS à la poubelle, hein. 250 DS à la poubelle, on va les récupérer sur la célébration, il y a 200 DS environ à se faire. On sera à plus de 1000 DS à l'anniversaire, bon ça va. Je pense que je vais pas invoquer, je pense, sur le portail Dokkan Fest de Goku et Boo. Et puis c'est de la merde, voilà, classique. Bon bah c'est vraiment de la merde jusqu'au bout, je suis navré. Pour cette séance d'invocation littéralement dégueulasse, mais vraiment littéralement dégueulasse, hein, parce que là pour le coup on en est là. Et vraiment, mais en... Non mais là c'est du vol quoi. Ouais, c'est vraiment du vol. Voilà donc les amis, multi de merde, vidéo pourrie, je suis navré. J'aurais aimé vous offrir un autre spectacle plutôt que cette immondice. Donc 250 DS, eh bien ciao ciao. Et puis écoutez, j'espère que vous avez droppé franchement mieux que ça. Hein. Enfin, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur parce que là, c'est vraiment pourri. Donc voilà, écoutez, eh bien, c'était une vidéo absolument incroyable. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, hein, et à me suivre aussi sur Twitch. Ah ouais, une super ambiance, il y a tout le monde qui se fout de ma gueule, c'est génial. On adore la commu. Je déconne. Non, ils sont géniaux en vrai. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Dokkan. Salut!